Savez-vous que dans le monde entier, énormément de personnes se donnent la mort, se suicident à cause du harcèlement scolaire, à cause de tout ce que les gens peuvent dire, des paroles blessantes qui les amènent à ne plus voir leur valeur, à se dévaluer, à s'auto-critiquer. Et aujourd'hui, Linda va nous partager son témoignage. Bienvenue dans Partage ton histoire. Bonjour Linda. Bonjour. Bienvenue dans Partage ton histoire. Merci. Je te remercie d'avoir accepté de témoigner, parce que ce n'est pas forcément évident. Mmh. Je vais te laisser, dans un premier temps, te présenter à tous les internautes qui ne te connaissent pas encore. D'accord, donc merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je m'appelle Linda, j'ai 24 ans. Et j'ai grandi en Martinique. Et voilà. Ok, très bien. Et est-ce que tu peux nous dire un peu comment ton témoignage commence? Le contexte familial dans lequel tu as grandi, etc. Alors en fait, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mm-hmm. Donc mes parents, ils allaient à l'église, mais ils ne pratiquaient pas forcément la religion en fait. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on allait dans une église où il y avait beaucoup, ils croyaient beaucoup à tout ce qui était surnaturel, etc. Et moi, j'étais pas tellement réceptive à tout ça. Et c'est vrai que ce qui s'est passé dans l'église, le pasteur de cette église est allé en prison en fait. Oh. Ouais. Pourquoi? Il est allé en prison parce qu'en fait, il a été accusé de vol d'argent. Oh. Ouais. Et en plus, il a été accusé non seulement de vol d'argent, mais de viol en fait envers les femmes qui venaient à l'église. Non. Donc, il faut savoir que mes parents, ils étaient très investis dans l'église et ça a créé une déchirure. Parce que mes parents, pour eux, le pasteur, c'était vraiment quelqu'un de voilà, formidable. Bien sûr, de pieux, et c'est ce qu'on attend même tout simplement d'une personne normale et chrétienne, de pouvoir avoir une certaine diligence par rapport à certaines choses. Ouais, donc c'est vrai que mon père, il était très investi dans l'église et depuis ça, en fait, il a complètement été déçu en fait de Dieu, de tout ce qui est en rapport avec Dieu. Mmh. Et ça a fait que il s'est séparé de ma mère. D'accord. Et c'est vrai ça a causé. Oui, ça a causé. Pourquoi ça a causé la séparation avec parce les que parents? Justement, en fait, mon père, il commençait un peu à délaisser tout ce qui était église, il allait en boîte de nuit et ma mère, elle était toujours fervente dans tout ce qui était église, donc elle voulait continuer à aller et mon père, non. Donc je pense que ça aussi, ça a déchiré. Ils étaient plus sur la même longueur d'onde. Voilà, ils étaient plus sur la même longueur d'onde et de moins en moins, on voyait mon père à la maison. Donc c'est vrai que ça a créé une grosse déchirure. D'accord, et du coup, au final, ils se sont séparés. Et toi, tu te rappelles du moment où ils se sont séparés? Tu étais assez grande pour... La séparation s'est faite au fur et à mesure. Donc, quand ça a commencé, j'avais aux alentours de 8 ans à peu près. Mm-hmm. Et c'est vraiment à partir de 8 ans que là, mes parents, ils ont décidé de se séparer. Ils ne vivaient plus ensemble. Et c'est vrai que ça m'a vraiment causé des blessures, en tout cas intérieurement. Et du coup, quelles ont été les conséquences de ces blessures? Qu'est-ce que tu t'es dit après En fait, c'est vrai que moi, mon père, c'était vraiment un exemple pour moi. C'était vraiment une figure paternelle. Et c'est vrai que quand il est parti, j'ai commencé beaucoup à me dévaloriser. Mmh. Je me suis dit, parce que j'avais vécu ça comme un abandon, en fait. Et j'en voulais beaucoup à Dieu parce que je savais que c'était ça qui avait causé, en fait, le départ de mon père dans la famille. Donc, d'accord. Et du coup, c'est à partir de quel moment que... Tout a shifté dans ta vie, tout a changé en fait. Tu as commencé à faire des choses ou tu... C'est à partir de l'âge de 13 ans. Mm-hmm. Parce qu'il faut savoir que mon père, quand il était à la maison, il dictait un peu tout ce qu'on faisait. Il était très dur. Mm-hmm. Et pour lui, en fait, c'était sa fille. Il fallait qu'elle soit modèle. Voilà, donc quand il est parti, j'ai commencé beaucoup à être dans la débauche. Donc, j'ai commencé dès l'âge de 13 ans à danser dans des groupes de danse, aller dans des podiums. Et c'est vrai que les tenues que j'avais, c'était pas forcément des tenues des tenues très sexy. Et même des fois, je me souviens, j'avais porté un short, on voyait la moitié de mes... Ah ouais. Voilà, ouais. Et mon père, il n'était pas du tout au courant. Donc, on voit la moitié de tes fesses, quoi. Ouais, voilà, donc, c'est ça. Et je pense que s'il était au courant, ça allait être... Moi, je me suis dit... moi, je ne voulais absolument pas qu'il sache parce qu'il était très... il avait très l'image de moi d'une princesse. Donc, en fait, pour moi, je faisais ça un peu en douce. Donc, ma mère et mon père, ils ne savaient pas du tout ce que je faisais, en fait. Mmh, donc, d'accord. C'est vrai que je partais des fois la nuit. Je ne leur préviens pas que je partais, en fait. Donc, voilà. D'accord. Et du coup... par contre, qu'est-ce qui s'est passé en maternelle?
Alors, en fait, il faut savoir que l'harcèlement scolaire a commencé depuis la maternelle. Mm-hmm. Donc, je me souviens, il y avait une jeune fille qui me disait souvent que je ressemblais à un homme. Je ne sais pas pourquoi elle me disait ça. Ouais, elle me disait que je ressemblais à un homme et que, en fait, elle me disait, t'es sûre, t'es une fille? Et déjà, je m'habillais comme un garçon, en fait. Donc, elle me disait, en fait, elle me disait clairement que toi, t'es un homme. En plus, elle me disait que t'es moche par rapport aux autres enfants. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que dans cette période où j'étais harcelée, je me souviens à la cantine, il y a un garçon, je ne sais pas s'il ne m'aimait pas trop, mais en fait, il a commencé à faire des attouchements. Parce qu'il faut savoir qu'en maternelle, en fait, on avait la tenue, c'était jupe et chemisier blanc. Oui. Donc, je me souviens en maternelle, c'était vers les grands, hein, à la cantine, il y a un garçon, juste pour me faire du mal, il a commencé à mettre son pied en fait, entre mes jambes, forcé vraiment, vraiment forcé. Et en fait, c'est comme si, je ne sais pas pourquoi, mais c'est à partir de ce moment-là où le harcèlement scolaire a vraiment débuté. Mm-hmm. Parce que ça a fait le tour de la maternelle, les enfants se moquaient de moi, etc. Et c'est vrai que je ne me sentais pas très bien. Et je n'arrivais même pas à le dire à mes parents parce que c'était une honte, en fait, pour moi. Mm-hmm. Donc voilà. Waouh. Mais après, ça s'est intensifié. Tu recevais des menaces de mort. Qu'est-ce qui se passait? Oui, alors en fait, ça a commencé donc maternelle et primaire. Et au collège, en fait, dès la sixième, j'ai eu une fille en fait, qui était dans ma classe. Et je ne savais pas encore, mais elle faisait de la sorcellerie, en fait. En troisième, elle faisait de la sorcellerie? Oui, ouais. Elle faisait de la sorcellerie. Et je l'ai connue à partir de sixième. Mm-hmm. Et à partir de troisième, je me souviens qu'elle avait commencé à avoir des a priori envers moi. Elle me disait, oui, mais toi, je ne sais pas pourquoi, mais je ne t'aime pas. Mm-hmm. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je te vois, je ne t'aime pas. Et beaucoup de personnes me disaient, ouais, mais fais attention à elle, elle fait de la sorcellerie, etc. Et c'est vrai qu'elle nous parlait, elle avait un livre de magie noire. Donc, je ne sais pas, en fait, au début, je ne tiltais pas, en fait, mais elle me disait qu'elle avait un livre de magie noire et qu'elle faisait des trucs chez elle, etc. Et un jour, en fait, parce qu'il faut savoir qu'en fait, j'étais en couple avec un garçon et j'avais beaucoup de problèmes avec les filles parce qu'elles étaient jalouses, etc. Et un jour, justement, sa meilleure amie, à celle qui fait de la sorcellerie, elle s'est un peu mêlée de l'histoire par rapport à mon ex parce que j'étais en couple. Et elle disait que oui, mais moi, je n'approuve pas cette relation, etc. Et la personne qui faisait de la sorcellerie, elle a commencé à me faire des menaces. Au début, c'était « oui, je vais te buter, oui, pour moi, tu vas vraiment mourir ». Elle commençait vraiment à faire des menaces et c'était vraiment tous les jours, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'allais à l'école, le matin, c'était une parole de menace, l'après-midi et le soir. Et je rentrais chez moi, j'étais vraiment en pleurs. Et ta maman le savait? Non, j'arrivais pas à le dire. J'arrivais pas à le dire à ma mère et c'est vrai que, en fait, j'ai regretté par la suite, mais je lui disais juste que j'avais des moqueries. Elle me disait, non, mais t'inquiète, c'est pas grave, ça va aller, etc. Et en fait, ça a continué comme ça. Et à chaque fois, je rentrais chez moi, je pleurais. Jusqu'à un jour, j'ai commencé vraiment, c'était vraiment très oppressant pour moi. J'ai commencé vraiment à me mutiler, en fait, à me faire du mal. Parce que vraiment, il faut savoir que les menaces étaient vraiment récurrentes, en fait, tout le temps, tout le temps. Et je me souviens un jour, cette même personne qui me menaçait, elle s'est battue. Et ce jour-là, elle a envoyé la personne à l'hôpital, donc la personne, elle a saigné. Wow. Et je crois qu'elle elle s'est opérée par la suite, mais c'était vraiment quelqu'un qui avait une réputation très bagarreuse et dangereuse. Qui pouvait être dangereuse, en fait. Et elle me disait un jour, je me souviens, je sortais du collège et elle m'a regardée et en fait, quand elle a sorti quelque chose dans son sac et j'ai vu que c'était un couteau en fait. Et elle me disait, tu vois, toi, tu vas mourir. Elle m'a dit clairement, toi, tu vas mourir. Elle était vraiment possédée. Hein. Oui, je pense qu'elle était, elle était possédée. Et je me souviens un jour, elle m'avait dit, je me souviens, c'était un jeudi, elle m'a dit en fait, à la sortie des cours, ce sera ton heure. Et j'étais tellement stressée, je panique. Au-dedans de moi, je me suis dit, purée, c'est sûr que je vais mourir. Parce qu'en fait, elle m'avait tellement regardée avec un regard. Et personne n'était au courant. Tu vivais ça seule. En fait, les personnes autour de moi, ils étaient au courant. Ils rigolaient. Oui, les gens étaient à l'école. Mais eux, ils rigolaient. En fait, pour eux, c'était un jeu, en fait. Ils ne se rendaient pas compte du danger que ça créait même autour de moi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le jeudi, c'est vrai que je ne croyais pas. Enfin, j'étais déçue de Dieu et je ne croyais pas trop tout ce qui était Dieu, etc.
Et j'ai fait cette prière, j'ai dit vraiment Dieu, si tu existes, fais en sorte que je puisse passer en fait dans les mailles du filet aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui, enfin le jeudi où elle va me menacer, le jeudi je devais finir à 16h. Mmh. Et comme par hasard, le jeudi j'ai fini à 15h et j'ai pu sortir plus tôt et on ne s'est pas rencontrés du coup. Mmh. Et j'ai appris en fait après que cette fille-là, elle a eu des problèmes avec d'autres personnes. Et en fait, on l'a renvoyée de l'école. Waouh! Donc en fait, je me suis dit... Waouh! Ouais, tu t'es dit « Dieu m'a exaucé ». Dieu, en fait, je me suis dit « Mais c'est Dieu en fait qui m'a exaucé » parce qu'en fait, j'ai parlé juste à Dieu. Je lui ai dit vraiment, délivre-moi en fait. Mmh. Et vraiment, après, par la suite, elle n'est plus jamais revenue à l'école et j'ai plus eu de menaces de mort d'elle en fait. D'accord. Et du coup, après ça, tu t'es mis en couple avec un garçon. Je me suis mis en couple avec un garçon parce qu'il faut savoir que j'avais aussi des... Enfin, l'harcèlement scolaire, ça a continué au-delà des menaces de mort. Et c'est vrai que quand je me suis mis en couple avec lui, j'avais l'impression qu'un vide, en fait, s'est rempli, en fait. Ce vide-là que j'avais à l'intérieur de moi, j'avais l'impression qu'en étant en couple, en fait, c'est ce qui allait remplir le vide que j'avais. Mmh. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que la personne, on s'est séparés. J'ai eu une rupture et j'ai continué à me mutiler, en fait. Et j'ai rencontré un autre garçon. Et c'est là qu'à ce moment-là, on est partis en France ensemble. Et c'est là vraiment que tout a commencé concernant les pensées suicidaires. Ah ouais, et vas-y, pourquoi Parce qu'en fait, je suis allée en France, donc on est parti en France à l'âge de 18 ans, donc on est parti très tôt, très jeune en fait, du moins. Et quand on est allé en France, c'est vrai que, premièrement, il m'avait trompée plusieurs fois. Donc, c'est-à-dire, c'était des tromperies en mode, déjà, il me trompait avec des personnes que je connaissais. C'est-à-dire que c'était des gens que j'accueillais chez moi, etc. Donc en fait, déjà, tout ce qui s'est accumulé, harcèlement scolaire, là, ça avait continué, en fait. C'était vraiment très... En fait, je me sentais vraiment oppressée, en fait, au-dedans de moi. Et je me souviens un jour, pendant que je m'habillais pour partir, parce qu'on vivait ensemble, en fait, en France, pendant que je m'apprêtais pour partir, il m'a dit, en fait, je regrette de t'avoir choisi, en fait. Oh! Ouais. Waouh! Ouais. C'est pas possible. Ouais. Il m'a dit, je regrette de t'avoir choisi. Et je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a dit que, en fait... l'amour qu'il avait pour moi, en fait, avait baissé. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je lui ai dit, mais... Enfin, je n'avais rien fait de spécial. Et c'est là que je me suis dit, mais... En fait, c'est comme si ma valeur, quand il m'a dit ça, c'est comme si ma valeur, elle était partie. J'avais plus... Pour moi, j'avais... Déjà, mes parents ne voulaient pas que j'aille en France parce que je suis partie en France sans leur accord. Donc, ils m'avaient un peu abandonnée, en fait. Et quand je suis allée en France avec lui, moi, ma seule famille, c'était lui, tu vois. Donc, ça faisait que j'espérais beaucoup en lui. J'avais confiance en lui, en fait. Voilà, j'avais confiance en lui. Et le fait de voir qu'il m'a encore abandonnée, ça m'a rappelé mon père qui m'avait abandonnée la première fois, tu vois. Et c'est vrai que c'est là que vraiment les pensées suicidaires ont commencé. J'ai commencé à me dire, mais en fait, il faut que je meure parce que j'avais... Toutes les personnes en qui je croyais qu'ils pouvaient me donner de l'amour, au final, ils ne me l'ont pas donné, en fait. Et c'est vrai que j'avais déjà entendu parler de Dieu, mais je disais, mais Seigneur, si tu m'aimes, pourquoi tu permets que je puisse vivre ça, tu vois? Et c'est vrai que j'ai commencé à enchaîner des pensées suicidaires. J'allais en boîte de nuit toute seule, je me saoulais, je buvais de l'alcool, c'était vraiment... j'essayais de combler vraiment ce vide-là en moi, en fait. Et c'est vrai que j'accumulais les pensées. Et un jour, je me suis levée en pleine nuit, je me souviens à 3h du matin, et j'entends une voix qui me dit « Suicide-toi, suicide-toi ». Une voix, carrément. Ouais, une voix qui me dit « Suicide-toi ». Et en fait, au début, je me suis dit « Non, c'est peut-être mes pensées ». Et après, le lendemain, je me rendors, et la voix revient et me dit « Suicide-toi ». De toute façon, personne ne t'aime. Wow. Et pendant cette période-là, en fait, où j'avais... tout le temps cette voix-là qui me disait « Suicide-toi », mon copain à l'époque, en fait, il me disait « Oui, mais franchement, t'as plus de valeur. En plus, j'avais pris beaucoup de poids aussi. » Donc ça a vraiment changé son image sur moi, en fait. Et il m'avait dit que, justement, il regrettait d'être avec moi. Et c'était vraiment dans cette période-là, il me disait beaucoup de paroles dévalorisantes. Donc, un jour, je me suis levée et je me suis dit
mais en fait, il faut que je me suicide, en fait. C'est comme si j'étais plus moi-même. Mm-hmm. Je me contrôlais plus, c'était ces pensées qui me contrôlaient, mm-hmm, en fait. Mm-hmm. Et je me souviens, ce jour-là, je me réveille et j'entends « Aujourd'hui, tu dois te suicider ». C'est vraiment une... Wow. Je ne sais pas comment expliquer, c'est comme si cette voix-là avait pris tout le contrôle de moi-même, mm-hmm, en fait. Et je me souviens, ce jour-là, mon copain à l'époque, il me disait « Bon, ben, je vais partir, mais sache qu'aujourd'hui, je ne vais pas rentrer. » Et du coup, il rentrait le lendemain. Des fois, il rentrait le lendemain, donc mm-hmm, je restais toute seule à la maison. Et il faut savoir que j'avais abandonné mes études aussi. Donc, j'avais En fait, j'avais perdu complètement... T'avais pas de lien avec les autres, j'étais seule, j'avais pas d'amis parce que j'avais deux amis mais c'était à l'université et le fait que je suis partie, on n'était plus trop en contact en fait. Et le seul ami c'était mon ex à l'époque donc c'était très compliqué. Et ce jour-là en fait, j'entends cette voix qui me dit « Aujourd'hui, suicide-toi ». Et je suis allée dans la cuisine en fait et pour moi j'avais peur un peu de tout ce qui était mort, etc. Mais ce jour-là, c'était tellement devenu un poids pour moi que je me suis dit, là, aujourd'hui, il faut que je meure, en fait, parce que j'avais plus... En fait, tout ce que les gens me disaient, en fait, c'était dévalorisant. Donc, pour moi, je me suis dit, aujourd'hui, il faut que je meure. Et c'est peut-être comme ça que je vais résoudre, en fait, le vide qui était en moi. Mais au fond de moi-même, je voulais pas, mais... Cette voix était trop insistante, il fallait que j'en finisse en fait. Elle était oppressante. Voilà. Et ce jour-là, en fait, donc je vais dans la cuisine et tout, je me dis, il faut que je me fasse mal, c'est pas grave. Je prends un couteau et je le fais d'un coup sec et c'est fini. Et cette voix-là se répétait encore, suicide-toi, 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 suicide-toi. Et plus, en fait, je sentais que j'allais faire l'acte, plus cette voix-là devenait forte en moi-même, en fait. Suicide-toi, suicide-toi. Et à un moment donné, je me souviens que cette voix m'a dit, de toute façon, même Dieu ne t'aime pas, personne ne t'aime. Wow. Et c'est vraiment, ces pensées devenaient très fortes et je me suis dit, ok, là, je vais faire d'un coup sec, il faut vraiment que je réfléchisse plus. Mais même pendant que je voulais réfléchir, en fait, ces pensées venaient. Et je me suis dit, ok, là, tu vas le faire. Et j'ai pris le couteau et en fait, au début, je tremblais, tu vois, au début, je tremblais. Et je me suis dit, là, je vais le faire. Et d'un coup, quand je voulais vraiment me planter, mais fort, et en plus, je fermais les yeux, hein, je voulais me planter fort. Et en fait, ma main, directement, elle s'est bloquée. Je ne sais pas comment ça s'est passé, elle s'est bloquée. Et je suis restée comme ça, bloquée, en fait. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais... Comme s'il y avait une force qui attrapait ta main, comme s'il y avait une force, en fait, qui ma main, elle est restée bloquée. Et d'un coup, ma main s'est ouverte et le couteau est tombé. Et j'ai repris conscience, en fait. Je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai repris conscience de... Mais qu'est-ce que je fais, tu vois? Et après, c'est là que je me suis dit... C'était bizarre parce que je me suis dit, en fait, je voulais me suicider et il y a quelque chose qui m'a empêchée, mais je ne savais pas c'était quoi. Et les jours qui ont suivi, en fait, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à l'expérience qui s'est passée, en fait. Mais les voix continuaient, en fait. Les voix continuaient de plus en plus. Ouais. Et je me souviens, je faisais des cauchemars et je me voyais dans un cercueil, en fait. Wow. Je me voyais dans un cercueil et plus... En fait, c'était des rêves qui se faisaient dans la nuit. Je me réveillais comme ça en sursaut. Et ça se répétait. Et un jour, justement, une dame, c'était la mère de mon ex à l'époque, qui me disait qu'en fait, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Wow. Et je lui ai dit, oui, je sais, mais pourquoi il permet en fait tout ça? Pourquoi il permet que... Parce que j'avais plus d'espoir et ma mère, en ce temps-là, ma mère ne voulait plus me parler parce que pour elle, en fait, j'avais gâché ma vie, j'étais partie avec quelqu'un. Vivre avec lui alors que j'étais... elle voulait une meilleure vie pour moi, en fait. Et elle m'a dit, elle me parlait plus trop et elle me disait aussi même des paroles valorisantes. Et en fait, ma belle-mère à l'époque, du coup, elle me disait, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Et je sais pas quand elle m'a dit ça. Pour la première fois, j'ai senti quelque chose de différent, en fait, qui s'est passé. Et quand elle m'a dit ça, c'est ce jour-là, j'ai commencé à chercher Dieu. J'ai commencé à savoir, mais qui est ce Dieu-là, en fait, vraiment? Qui est ce Dieu qui, soi-disant même... Donc, j'ai commencé à faire des recherches sur les réseaux sociaux. Et un jour, je tombe sur un live.
un live qui parle en fait de l'amour de Dieu et qui dit en fait, si tu veux te suicider, arrête-toi parce que Dieu t'aime et Dieu a un plan pour toi en fait. Wow. Et c'est là que j'ai continué à avoir voir des lives en fait qui parlaient souvent de l'amour de Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, c'était un soir, je me souviens, c'était une fille, elle faisait un live et elle parlait du fait que Dieu ne veut pas qu'on soit dans des relations qui nous dévalorisent, mais Dieu a un plan pour nous, en fait. Et particulièrement ce soir, c'est vrai que j'avais auparavant beaucoup de pensées suicidaires, mais ce soir, en fait, c'est comme si que l'atmosphère de ma chambre, je sais pas, elle avait changé, tu vois. Elle avait changé. Et ce jour-là, elle parlait, elle disait, est-ce que vraiment vous voulez recevoir l'amour de Dieu? Est-ce que vraiment vous voulez ressentir cet amour que Dieu a pour vous? Et c'est vrai que ce soir-là, je me suis dit, parce que je faisais beaucoup de recherches sur Dieu, et ce soir-là, je me suis dit, OK, peut-être c'est mon soir. Peut-être que je vais vraiment rencontrer ce Dieu-là, en fait, qui m'aime. Et j'ai juste fait simplement, en fait, je me suis juste mis à genoux parce qu'elle a dit, mettez-vous à genoux et dites cette parole de tout votre cœur. Et en fait, elle nous faisait dire des paroles. Elle nous disait, Dieu m'aime. Dieu a un plan pour moi. Et quand j'ai dit ça, j'ai senti une présence rentrer dans... C'est très fort. Wow. J'ai senti une présence rentrer dans ma chambre. Et c'était une présence que j'avais jamais ressentie. Et cette présence dégageait un amour. Mais un amour que j'avais jamais ressenti depuis même que je suis née. C'est vraiment un amour. Je me dis, mais qui est dans la pièce? Et je me retourne, je vois personne. Et ce jour-là, quand j'ai dit, Seigneur Jésus, rentre dans ma vie, change ma vie. Et elle nous faisait répéter ses paroles. Et quand je lui ai dit, d'un coup, c'est comme si que les pensées, l'angoisse que j'avais est partie en fait. Wow. Juste par des paroles, c'est parti. Et quand c'est parti, j'ai senti un autre truc venir. Wow. Et c'est la paix en fait de Dieu qui est venue. L'amour de Dieu. Et à partir de ce jour-là, je me suis vue différemment. Je me suis dit en fait, il y avait quelque chose qui s'est passé et c'est comme si que c'est ce jour-là en fait que j'ai rencontré Jésus en fait et qu'il est vraiment devenu réel pour moi. Et voilà, en fait, c'est tout ça. Waouh, c'est extraordinaire. En fait, au moment où tu as déclaré que tu veux véritablement recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, que tu veux qu'il rentre dans ta vie, sa puissance a délogé tout ce qui était de l'ennemi en toi, en fait. C'est ça. A vraiment, en fait, il a fait... En fait, quand Dieu vient dans nos vies, il instaure sa paix, son amour, parce qu'il est paix, il est amour. Alors, quand il vient partout, il est... Partout à sa présence, mais il y a aussi la paix, l'amour, la bonté, la grâce, la faveur. Amen. Et c'est là qu'on se rend compte que Dieu nous aime. Dieu nous aime énormément, en fait. Amen. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et peut-être que tu me regardes et toi aussi, tu as des pensées suicidaires. Sache que Dieu veut te délivrer, en fait. Parfois, et la plupart du temps, ce sont des oppressions démoniaques. Le diable essaie de te faire croire que tu n'as pas de valeur, que tu ne vaux rien, que tu ne sers à rien sur cette terre. Mais c'est un mensonge diabolique. Pourquoi? Parce que si tu es là, c'est bien parce que Dieu a permis que tu puisses être sur cette terre. C'est parce que Dieu a voulu que tu le sois. Et c'est parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Il a une merveilleuse destinée. Maintenant, ce n'est pas parce que la vie ne t'a pas fait des cadeaux ou parce que tu n'as pas fait ou parce que tu as posé des actions en fait, qui ont eu des conséquences sur ta vie, des conséquences négatives ou que les autres ont dit des choses négatives sur toi, que c'est la vérité. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à lui et j'aimerais prier pour toi aujourd'hui car tu as besoin en fait que la délivrance du Seigneur se manifeste dans ta vie. Et je viens déclarer au nom de Jésus, je viens prendre autorité et menacer tout esprit de mort et de suicide, tout esprit qui a été mandaté pour envoyer des pensées de suicide, de dévalorisation. Au nom de Jésus, je te chasse maintenant de leur vie. Je déclare que tu n'as plus aucun pouvoir. Je neutralise ta puissance dans leur vie maintenant. Et je décrète que la paix de Jésus se manifeste maintenant. Que la puissance de Dieu se manifeste maintenant là où ils sont, Seigneur. Qu'ils puissent faire une véritable rencontre avec toi. Car tu es le Dieu qui sauve. Tu es le Dieu qui change des vies. Oh Dieu de gloire. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire maintenant. La puissance de l'ennemi n'a aucun pouvoir en ce lieu parce que nous décrétons et nous appelons le nom de Jésus-Christ, ce nom qui est au-dessus de tout autre nom. Merci Seigneur pour ce que tu fais maintenant. Alléluia.
Gloire à Dieu. Et je crois que quelque chose vient de se passer. Je brise toute pensée démoniaque au nom puissant de Jésus. Tu peux maintenant décider comme Lindel avait fait d'ouvrir ton cœur et de recevoir Jésus si tu veux véritablement en fait que ces choses ne reviennent plus, parce que peut-être qu'aujourd'hui tu n'es pas enfant de Dieu et tu n'as donc pas l'autorité, en fait Dieu n'habite pas dans ton cœur, mais il faut que tu puisses devenir enfant de Dieu afin que même si ces choses reviennent, que le Seigneur Jésus soit là en fait afin de te donner les outils nécessaires pour combattre ces choses-là. Et tu peux faire cette prière pour accepter Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur afin de naître de nouveau, pas d'être dans une religion mais d'être dans une relation personnelle avec Dieu. Et tu peux fermer les yeux et faire cette prière à haute voix et tu vas déclarer de tout ton cœur, tu vas dire: Seigneur Jésus, aujourd'hui je m'abandonne entre tes mains, je déclare ta délivrance dans ma vie, je te demande pardon pour tous mes péchés, je crois que tu es le Fils de Dieu et qu'il t'a ressuscité d'entre les morts. Je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je sais que j'ai de la valeur à tes yeux et j'en prends conscience maintenant. Je refuse et je chasse toute pensée démoniaque au nom de Jésus. Merci parce que mes péchés ont été pardonnés et je deviens ton enfant. J'ai prié au nom de Jésus. Amen, 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 bravo et félicitations à toi. Si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, habite en toi maintenant. Tu peux marcher avec lui, tu peux lui faire confiance et il t'a donné la victoire au nom de Jésus. Alléluia, merci beaucoup. Merci pour beaucoup. Ce témoignage. Merci. Et je pense que beaucoup de vies seront changées. Amen. Alléluia. Merci à vous de nous avoir suivis. Si ce témoignage, vous pensez qu'il va véritablement toucher le cœur de quelqu'un d'autre, vous pouvez lui partager. Et si ce témoignage vous a aussi béni, partagez-le autour de vous, likez la vidéo et laissez un commentaire. Merci à tous d'avoir été présents et on se retrouve dans une autre émission Partage ton histoire pour un autre témoignage.